Bonjour les potes, ou le bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, du coup, on est la semaine 5, on est jeudi, c'est le jour des défis, les jours des nouvelles pièces. J'ai mis sur ma chaîne la pièce en or parce que, comme il n'y en a qu'une, donc du coup, j'ai pas besoin de faire de montage particulier. Mais du coup, là, on va faire les pièces violettes, comme chaque semaine, il y en a deux. La première, je l'ai trouvée tout à l'heure en faisant le défi des coffres à Fatalis. Du coup, il y a plein de défis à côté de Fatalis, il y a le défi de Wolverine. Vous avez la pièce en or qui est derrière Fatalis, où il y a les petites maisons. Vous avez du coup les coffres de Fatalis, plus une pièce violette qui est près de Fatalis. Ouais, rien que ça. Du coup, Fatalis, vous connaissez tous l'endroit. Et là où je me trouve, pile poil là où il y a ces arbres-là, qui fait comme un triangle. D'accord? Vous vous dirigez ici, et vous voyez la première pièce violette de cette semaine qui se trouve entre ces arbres que vous voyez devant moi. Donc vraiment, c'est très très simple à trouver. Vous regardez Fatalis qui est juste ici. Vous allez diriger dans les arbres qui est juste en bas là. Vous descendez juste cette falaise. Il y a une petite maisonnette qui est juste ici, qui est derrière moi, celle que j'ai vue tout à l'heure. Et là, du coup, la petite pièce, la première de cette semaine. Et la seconde pièce violette, elle sera du coup tout à l'heure à la prochaine passage. Donc à tout de suite pour la deuxième pièce violette, les poteaux. Comme d'habitude, les pièces violettes, je vous rappelle qu'il faut construire autour pour pouvoir pas qu'elles s'échappent dans tous les sens, pour éviter, vous construisez autour, au-dessus, au-dessous, vous faites une cabane, limite une cabane, et vous l'enfermez dedans avant de la prendre, parce que sinon, elle va se barrer dans tous les sens, et vous manquerez des dispés pour rien. Voilà, voici la petite astuce, que je pense que vous le savez, mais pour ceux qui sont pas habitués de prendre les pièces violettes, vous devez d'abord construire un petit carré rapidement avant de prendre la pièce. Sur ce, on se retrouve pour le deuxième emplacement de la pièce violette, c'est parti! Du coup, voici le deuxième emplacement de la deuxième pièce de la semaine. Violette, bien sûr. Donc, vous connaissez tous l'endroit où il y a des robots, là où je me trouve actuellement. Vous vous dirigez ici. Hop, là d'un côté Lazy Lake. Vous descendez ici et vous voyez la petite pièce qui se trouve entre les robots, Lazy Lake et du coup le petit lac. Je pense que vous devez connaître tous l'endroit. Vous descendez ici. Comme d'habitude, vous construisez autour et vous pouvez prendre la pièce, d'accord? Je vous montre l'endroit sur la carte, comme ça peut vous aider, mais je pense que vous devez savoir où ça se trouve. Donc là, c'est les robots, d'accord? À côté, c'est Lazy et le petit lac ici. La pièce se trouve juste devant moi, ici présente. Voilà, du coup, j'espère quand même que ça vous a aidé à trouver les emplacements pièces violettes de cette semaine. Je sais qu'il y a beaucoup comme moi qui rush les XP. Bon, franchement, en plus, c'est le cadeau 15 000 XP, c'est vraiment, voilà, 15 000, 10 000, 6 000. Quand elle a les pièces, etc. en or, violette, bleu, verte, tout ça donne beaucoup d'XP. Franchement, c'est cadeau. Et puis, il y a ça toutes les semaines. Donc, franchement, c'est sympa. Pour ceux qui ne jouent pas beaucoup comme moi, par exemple, moi, je joue beaucoup. Mais ceux qui ne jouent pas beaucoup, les pièces violettes, etc., vous aident à monter votre niveau. Pour pouvoir avoir tous les niveaux juste au level 100. Par exemple, si vous voulez, si vous avez les passes de combat, etc., et vous ne pouvez pas jouer beaucoup. Voilà. Bref, sur ce, moi, je rush les paliers. Je suis au niveau 204 à l'heure où je vous parle. On verra ce soir, je serai au niveau combien. J'ai déjà fait un défi pour l'instant de cette semaine. J'ai pas encore fait tout. J'ai pas encore rejoué. J'ai fait d'abord les pièces avant de pouvoir vraiment faire les défis de semaine. À part un défi, je l'ai fait rapidement. Parce que ouvrir les coffres, c'est vachement facile. Donc en vrai, voilà. Bref, sur ce, n'oubliez pas le petit pouce bleu, le petit abonnement et de également mettre le petit code créateur qui est juste en bas de la vidéo. Et moi, je vous dis du coup, eh bien, à ce soir. Bye bye.